10 heures et c'est l'heure de la pause. Ces étudiants quittent les salles de classe pour rejoindre le réfectoire. Je venais de terminer le cours de connaissance d'actualité avec Saïd Gueye. Bon, je suis sorti prendre le soleil en venant ici, prendre du quinquilibre, se rafraîchir avant le cours de 10 heures. Se rafraîchir ou prendre de la boisson chaude entre camarades de classe. Ici, les délices sont multiples. Les étudiants prennent place et commandent du café, des pains omelettes, des petits fours, ce sont les plus vendus. L'installation de cette buvette à l'intérieur de l'école est une aubaine pour cette étudiante. Maintenant que le restaurant est là, on n'est plus obligé de sortir. On mange ici, que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner. Donc ça va. Midi, les premiers plats sont servis. Adja, la chef cuisinière, déroule le menu. Nous avons un menu varié, du riz au poisson, à la viande, du yassa au poulet, du mafé. C'est apprécié par les clients et ils sont satisfaits. Satisfaites, ces étudiantes le sont. Il y a l'hygiène et tout. Voilà, tu as envie de manger quoi. C'est trop bien. J'adore. Je kiffe. Des fois c'est tchèp, des fois c'est mafé et c'est vraiment au top. Réaménagé il y a un an, le jardin du Centre d'études des sciences et techniques de l'information refuse du monde aujourd'hui. Son cadre attrayant et calme attire d'autres étudiants venus des facultés.